c'est la nuit. Influenceur bien avant l'heure et malgré lui, déclencheur de vocation plus ou moins réussie, celui que l'on écoute dans l'ombre parfois pour pouvoir reprendre à son compte ses idées. Je rappelle à tous ceux qui fument des pétards que ce sont eux qui alimentent ces violences-là, c'est avec leur pognon que ces gens achètent des armes pour s'entretuer devant nos immeubles. Je veux m'adresser aux consommateurs, parce que trop souvent, on dit, voilà, on fume, etc., c'est du rétroactif. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'un joint, il a le goût du sang, il a le goût des larmes. Parce que derrière le joint, la coke ou d'autres drogues, il y a des réseaux, il y a des mafieux. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Il faut responsabiliser les consommateurs. Et ouais, même le nouveau ministre de l'Intérieur écoute Maurice Radio Libre. Il a compris. Écouter Maurice, c'est avoir un temps d'avance sur les autres. Si tu veux savoir ce que l'on dira demain, c'est sur Maurice Radio Libre qu'il faut que tu sois ce soir. Maurice, le prescripteur. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.